Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Sensuel comme matière à utiliser. D'accord. Que je trouve pas dans l'acrylique, donc c'est le résultat peut être le même, mais au niveau des tous les jours. Voilà. Moi, je me dis, je vais tout balancer parce que tes toiles elles sont derrière. Il y a pas de vérité en fait. Hein. Tu fais quelque chose, mais il y a pas de. Il y a tellement de vérité. C'est pas, on n'est pas dans une vérité. Quand c'est fini, les toiles elles sont là. Les dernières, je m'en sers quelques-unes. Tu vois, il y a une ou deux. Là, j'en ai besoin parce qu'il y a quelque chose un peu nouveau. Mais après, moi, qu'elles ne m'appartiennent plus, ne me dérange pas aujourd'hui. Il y a des jours, j'ai besoin de vide. Je ne sais pas, moi, ce que je vais faire à chaque fois. Par contre, quand on a 3-4, tout d'un coup, si tu en construis une bien, les autres, elles suivent. Mm-hmm. Dans l'énergie, souvent, elles se font en même temps, les toiles. Non, il n'y a pas de figuration. C'est tout d'un coup, je passe d'un truc à l'autre peut-être pour... Et la couleur t'apporte ou c'est en suivant fait... Suivant les couleurs, je ne suis pas la même chose. Voilà. Alors, il y a des jours, je travaille dans les... L'énergie de la couleur donne des choses complètement différentes. D'accord. Si je travaille dans le rouge, dans le jaune, ben, ça peut changer des formes, changer l'énergie. Si je comprends bien, tu t'abandonnes en fait avec l'outil, la toile et ton ressenti qui t'emporte, quoi. État t'emporte. Et puis, tout ce qui a été fait avant, si tu veux, je rate une toile. J'ai des repères. Donc, je me sers de ce que j'ai fait avant. Et après, tu peux aller essayer d'aller chercher d'autres choses pour peut-être ouvrir un peu. Voilà, ça suffit peut-être pas aussi. J'en sais rien. Je sais pas. Il y a peut-être aussi d'autres choses. Et puis, bon, après, l'avantage d'avoir un peu peint, c'est que je peux me raccrocher toujours à quelque chose. Le plus dur, c'est de commencer à peindre. Tu as démarré avec le figuratif ou tu as démarré avec l'abstrait ? Non, j'ai démarré avec des marionnettes. J'avais chez moi, j'étais à Paris, et j'avais des guignols, tu sais, des trucs. Je me suis accrochée à des choses, n'importe. Mmh. Et tu vis dans un petit truc et tout, tu dis tiens, ces marionnettes, je les jetais par terre, j'en changeais des choses. Et j'avais une vieille poupée, je sais pas où, je travaillais sur la poupée, mais c'est très social. Et quels sont les moments où tu es le mieux pour travailler ? Plutôt le soir, plutôt le matin. Dans l'atelier ici, je commence le matin. Parce qu'il manque de lumière et puis ma vie est rythmée, plus la journée, marche l'autre, je me rythme. Ça dépend où je suis. Une époque, j'aimais bien travailler le soir. Mais non, je travaille la journée. Ouais. Mais que ce soit Elisabeth ou que ce soit Je crois que tu écrirais à côté, je crois que tu pourrais. Quelqu'un qui bosse à côté, oui. Quelqu'un qui me regarde pas, quoi. Oui. Et l'extérieur t'amène quelque chose ? Je veux dire, là, justement, Si je travaille dehors ou dedans, je pense que tout t'amène, oui. Oui. Inconsciemment, oui. Bah, quand tu travailles, si je travaille le graphisme là, justement, parce que comme quand je fais des formes très structurées, bah, je mets dehors, je vais pas sortir un carré, quoi. Mm-hmm. Donc forcément, ça t'amène des lignes. Voilà. Aux animaux. Et la première fois que j'y suis allée, j'étais à l'atelier des Beaux-Arts de Paris. Et le prof nous avait dit on va au zoo. J'avais dit je suis pas un enfant, tu vois, comme plein. Le truc idiot. Ça m'avait déclenché quelque chose d'incroyable. Comme quoi c'est complètement idiot de dire ça. On va dessiner des animaux, je suis pas un enfant. Et j'ai trouvé ça génial.